Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur Foundation et on en était resté la dernière fois à essayer d'optimiser la production de bouffe et de vêtements. Alors les vêtements ça a l'air de remonter un peu, par contre la bouffe c'est la dèche. On a notre poisson qui est hyper descendu, on va essayer de vendre un peu de sanglier pour améliorer les choses. Ouais, genre là ils ont pas de bouffe quoi. Alors on va éditer, on va construire une étale de nourriture supplémentaire. Je vais voir un truc. Ouais, ce qui me semblait, on va essayer de passer plutôt par là. On va créer une étale de nourriture supplémentaire par ici. Hop, avec un petit truc bleu là, hop. Et on va y vendre de la du sanglier ici. Ce serait pas mal. Là-bas, je sais plus ce que j'avais mis à vendre. Du poisson simplement. Ok, donc eux, ils doivent certainement manquer de bouffe. Donc on va aussi construire une autre étale de... Voilà, par là, clac, où on va mettre de la nourriture, je sais pas quoi, peut-être du pain. Le pain c'est la dèche aussi, putain. Le pain c'est la dèche, et on n'arrive plus. Notre stock de laine a diminué grandement aussi. Alors, ça va peut-être remonter, on n'avait pas construit un... Attendez, on va enlever ça. Une autre bergerie là, si c'est bon. Ok, là on avait construit une nouvelle ferme laitière et un nouveau fromager auquel on avait affecté des gens. Donc là on était bon. Peut-être qu'il me faudrait un grenier par là. Ce serait pas mal. Oh, tu m'as remarqué, non. Tant qu'on n'est pas full de partout, on va les laisser courir. Oh là, il y a des gens qui se barrent parce qu'ils sont pas heureux. Oh putain. Alors attendez, déjà. J'ai que deux sans emploi. Statut bonheur. Mais il est où lui? Tu travailles où? Tu travailles ici et t'as pas de maison? Attends, il y a plein de maisons là, il y a une nouvelle zone toute nouvelle là pour habiter. Je comprends pas, impossible de trouver une maison assez proche du monde du travail. Putain, faut pas déconner quoi. Ah, ça y est. Ah. Ah, ok. Lui c'est pareil, je suppose. Ah, mais c'est la même, Christina. Oh, elle est saoulée là. Lui, bah, il est à zéro de bonheur. Ah, lui, son bonheur remonte. Lui, bon, je ne sais pas. Lui, il a récemment manqué de bouffe. Pourquoi, je ne sais pas. On verra plus tard. Est-ce que j'avais des missions militaires en cours? Non. Donc, on va essayer d'y retourner. Hop. Ça peut m'aider un peu ça. Je sais pas trop encore en quoi, mais ça a l'air de pouvoir m'aider. Enfin, je sais pas en fait, non. Ça peut pas m'aider, mais peut-être que ça m'apportera. Enfin, ça va m'aider en m'apportant quelques ressources que je n'ai pas forcément besoin. Peut-être qu'on va arrêter de produire des outils. On en a 258. Je pense que c'est pas mal, non? On n'en a pas vraiment besoin. Hop, hop. On va se focus sur la bouffe. Vraiment. Donc lui, il produit du minerai de fer, on n'en a plus besoin. Pour le moment. Hein. Je dis bien. Pour le moment. Même les mineurs de fer, au final, on n'en a plus besoin pour le moment. On en a vraiment masse. Là, on va stocker quoi, là, je sais pas. Je ne sais pas.
Par contre, on a besoin de charbon. On a besoin de charbon là-bas. Donc peut-être qu'on va se faire une autre charbonnerie ici, là. De toute façon, on aura sûrement besoin de charbon pour fondre de l'or, pour fondre des machins, là. Donc, on va construire un camp de bûcherons. On va construire un camp de bûcherons par là. Genre là, pouf, avec rien. Pourquoi ils emmènent pas les minerais là? Je ne comprends pas pourquoi ils emmènent pas le. Ah, parce qu'ils l'emmènent directement là-bas peut-être. Bah non. Pourquoi ils emmènent pas le quartz là qui est dans la mine là-bas? Je ne comprends pas. J'ai un stock de quartz exprès, mais ils ne l'amènent pas. Je ne sais pas. Ah, j'ai fini un marché ici. Donc là, clac, clac, clac. Voilà. On va la signer et on va mettre du sanglier. Voilà. Et l'autre, du coup, c'est celui qui est ici. Pareil. On va mettre du sanglier et on va signer un gars. Voilà. Ok. Là, j'ai rien. Là, on s'en fout. Le monastère, il va falloir commencer à le construire aussi, ce serait pas mal. Mais on verra après. On va d'abord essayer de d'augmenter notre bouffe. N'est-ce pas? Ce serait pas mal. Donc là, il va me falloir un autre stock. Il va me falloir un autre entrepôt de ressources. Disons juste à côté de l'autre. Ok. Et. Brûleur de charbon. Voilà. D'ailleurs, je pourrais en faire un deuxième là-bas. Mais je vais le faire ici. Le premier. Hop. Peut-être pas trop près. Ouais, non. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Ok. Pour la bouffe. Pour la bouffe. Ok, donc là on a l'air d'être bon. Pour la bouffe, il faut que je produise encore du blé. Je pense. Je pense qu'il faut que je produise plus de blé. Et où c'est que je vais me mettre, je ne sais pas. Ok, j'ai encore de la place pour du bois. On a dit que là on allait arrêter de miner du fer pour le moment. J'ai plus besoin de fer. J'en ai bien assez. J'en ai bien assez. Ouais, j'en ai bien assez. Ça me sert à rien surtout. Pour le moment. Et je ne fais toujours pas de verre, moi. Comment ça se fait que je ne fais pas de verre? Il se touche la nouille là, non? Camp de bûcheron. Je suppose que c'est lui. Donc là, on va assigner des villageois. Et on va extraire tout ce bois là. Hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Ici aussi. Hop, on va déboiser là. Voilà. Hop là.
Là aussi un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Hop, tout ça, ça va faire du bien. Ok. Ok, ok. Oh là là. Ça monte quand même. Mon nombre de villageois monte quand même. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui manque? Voilà, lui, il manque affreusement de bouffe. Comment ça se fait? Souffleur de verre. Ah oui, parce que ici, on vend pas de bouffe. Enfin, on vend que du poisson. Et sanglier. Pour le moment, le sanglier, on en a pas. Bon, on va peut-être faire du coup autre chose. On va peut-être refaire une étale de nourriture. Ici. Clac. Pour vendre du pain. Du pain, du pain. Et parce que là, ils sont obligés d'aller chercher la nourriture tout là-bas. Je sais pas où. Dans les stocks qui sont par là, le pain c'est tout là-bas. Ça fait loin en fait, c'est peut-être ça le problème. Je n'ai peut-être pas assez de transporteurs. Parce que ça doit être les transporteurs qui envoient la nourriture. Oula! Comment ça se fait que je perds de l'argent moi? Non, c'est juste pour le moment. Ouais, ouais, normalement je devrais pas en perdre de l'argent. Je vais acheter de la bouffe hein, sinon. Hein. Ressources commerciales. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Revenu, coût. Budget. Entretien. Dépenses commerciales. Bah, je suis bien en positif pourtant. 750. 4000. 1-1. Gain de la taverne. 1200 pièces d'or, juste la taverne. Ah ouais. Je suis bien en positif pourtant, 750, donc c'est bon. Pourquoi ça m'indique du négatif là? Je ne sais pas. Il n'y a rien que j'achète en fait. Il faudrait peut-être que j'achète un peu de bouffe. Genre du pain quoi. Qui c'est qui vend du pain? Lui pour 10. Ouais, acheter du pain jusqu'à ce que mon... Ouais, je pourrais faire ça, je pense. Je vais acheter du pain. Et le reste, ce sera du bonus. Je crois pas que j'arrive pas à produire plus de fromage, quoi, punaise. Le lait... Pff, les promotions, pour le moment, on va attendre. On va quoi, on va refaire des trucs à fromage hein. Parce que là normalement ça devrait y aller le fromage. Ça demande rien. Du lait. Le lait j'en produis en masse. Normalement. Normalement, j'en produis pas assez encore. Ferme laitière. Ferme laitière. Allez. On y va. Encore une. C'est quoi? On va en faire deux. On va même en faire deux. Hop. Voilà. Entrepôt de ressources. Ah, raté. Celle-là sera d'autres missions. Entrepôt de ressources. Alors là, on va en assigner. On va mettre du bois. Du bois. Du charbon. Et puis c'est tout pour le moment. Là, on va mettre 3 charbonniers. Ouais. Ah, mais peut-être qu'on a nulle part pour stocker le verre. Bah si, là, ici. Je comprends pas pourquoi il produit pas de verre, lui. Depuis tout à l'heure, il est bloqué, là. Il n'arrive pas à amener de charbon. C'est relou. Ah, j'ai plus de villageois.
Ça, c'est un truc, c'est relou un peu les l'histoire des transporteurs là. Je pense que j'ai pas du tout optimisé mon truc quoi. Mais vraiment pas. Ok, je suis en négatif, je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça compte pas le commerce. Qu'est-ce que je vends d'ailleurs? Je ne sais pas ce que je vends. Je vends mes vêtements, mais là j'en produis pas assez, donc on va arrêter de les vendre. J'achète du pain, je vends des planches. Mais bon, au final, les planches, c'est pas terrible. Ça coûte rien. Et ouais, ça s'achète à rien. Même ça, ça s'achète à rien. En même temps, sans foulor, ça sert à rien. Ah, par contre, ça descend à balle, là. Hein. Ça descend à balle. Je comprends pas. Budget. Ah, parce que j'ai pas encore les revenus de la taverne. C'est ma taverne qui me sauve la vie. En fait. Ah, peut-être qu'on va l'agrandir, ma taverne. Ah oui, la bière, j'en étais où la bière d'ailleurs? Je produis toujours pas de cette bière. Mince. Je produis toujours pas cette bière. Le houblon. Je suis full de houblon. Ah ouais, je suis full full de houblon. Je pourrais peut-être enlever quelqu'un là, au houblon. Oh là là. Il manque de bouffe maintenant. C'est juste la bouffe maintenant. Ok. Ok. Donc là, c'est juste la bouffe. Le reste c'est bon maintenant. Produisons de la bouffe, produisons de la bouffe. C'est bon là mes deux fermes laitières, pas encore. Dès que les deux fermes laitières sont bonnes, on fera. On pourra augmenter le truc. Mais je ne comprends pas. Pourquoi j'ai pas de sangliers là qui viennent ici? Telle de nourriture. Du pain, hop, voilà. Là. Ah, ça a vraiment baissé le sanglier. J'en avais pas 100 et quelques tout à l'heure. Ah, je suis passé à 9. Ok. Ah, ils ont tout bouffé quoi. Monseigneur, on annonce l'arrivée d'une intempérie. Oh bordel. Oh là là. Super. Fantastique. Fantastique. Ok, donc là. C'est pas fini. Presque, c'est presque fini là. Oh là, mais le lait quoi. Le lait ça descend tellement. Vas-y. C'est presque fini aussi. Un moine, on s'en fout. Ah, je suis en négatif maintenant. Je suis en négatif, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Que je me suis beaucoup trop étendu. En fait, ah tiens, il y a des nouvelles habitations qui sont arrivées là. Oh là, 57 villageois ont manqué de nourriture. Bah oui, mais je vois bien, mais c'est la dèche quoi, qu'est-ce que je fasse? J'en peux plus là. J'en peux plus. Comment faire? Je produis pas assez de blé, pourtant j'ai 15 000 fermes. Il y a un truc là que je comprends pas. Bah si pourtant la farine ça y va. Bon bah on va faire une autre boulangerie. J'en avais construit une autre là d'ailleurs. Oui. On va faire une autre boulangerie. Boulangerie. Ici tiens, il y a de la place. Hop. On va construire une boulangerie là. Là,
On avait mis quelqu'un déjà. On va faire du coup un autre fromager encore. Encore un autre fromager. Hop. Voilà. Là-bas, j'ai quoi? Pain, les vêtements. Ok, donc les vêtements, c'est de nouveau bon. Par contre, la bouffe, c'est où qu'il manque de bouffe? Parce que des fois, c'est à des endroits où. Alors, récemment manqué de bouffe. Toi, t'es où, toi? Ouais, c'est ici, hein. C'est ici qu'ils ont besoin de bouffe. C'est ici qu'ils ont besoin de bouffe. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à les apporter assez vite. Peut-être qu'il faudrait que je fasse. Peut-être qu'il faudrait que je me diversifie en fait. Enfin, que je me diversifie. Pas vraiment, mais plutôt que je m'agrandisse par ici. Peut-être que là, je devrais faire une ferme et une boulangerie par là. Une ferme de blé et une boulangerie. Peut-être. Le problème, c'est qu'il me faut une ferme de blé qui me prend 3 personnes. Un moulin qui m'en prend 2. Et une boulangerie qui m'en prend 2 aussi. Donc ça fait 2, 4, 6, 7. 7 personnes pour produire du pain. Et je trouve que ça en produit pas des masses. Oh putain. Oh putain. J'ai clairement trop de territoires ou trop de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des territoires que je peux revendre? Je n'utilise pas. Enfin, si celui-là un peu. Enfin, si celui-là un peu aussi. Celui-là carrément. Non. Eh bien non. Budget. Coût d'entretien. Qu'est-ce qui me coûte cher? Mes fermes laitières. Mes églises, 1000. Waouh! Mais les églises, ça coûte beaucoup trop cher, bordel. 1059, ça me coûte. Alors que ça me prend. Enfin, ça, je gagne pas tant de place que ça, quoi. Par rapport à une église rustique qui me coûte 323. Consommation. Je suis putain en négatif. Dépenses commerciales 600 pour acheter 30 pains. Ah ouais, non, laisse tomber. On arrête ça tout de suite. On arrête ça tout de suite. C'est beaucoup trop cher. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Qu'est-ce qu'on pourrait vendre qu'on a en masse? Enfin, et que surtout qu'ils achètent. On a vendu 20 planches, super. Là, on n'en avait même pas vendu. Je crois qu'on va vendre tout ce qu'on a en méga rabat. Genre les pierres polies. Est-ce qu'il y en a qui achètent des pierres polies? Pour 6, ouais, bah allez, vas-y. Pierres polies. Au-delà de 150. Ouais, on va mettre au-delà de 250 quand même. 300. Allez, au-delà de 300, on vend. Les outils. Ah non, les outils, on les utilise pour construire des trucs. Qu'est-ce qu'on a beaucoup? Le houblon. Le houblon. Ah, le houblon. Le houblon. Est-ce qu'il y en a qui achètent du houblon? Non, du tout. Du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Oh là là, la tempête, ça y est. Là, je vais rien produire. Déjà que j'en produis pas beaucoup. Oh là là. Là, par contre, ça va booster mes ressources de poissons. Que je suis à vide. J'en vends pas du poisson, moi. Non. Pour le moment, je vends des planches et des pierres polies.
Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai en grande quantité. Le houblon aussi, mais personne m'en achète. Oh là là, cette dèche. Même la bière, il m'en achèterait pas. Bon, ben, c'est la grosse merde. C'est la grosse grosse merde. J'ai fini une boulangerie là. Donc on va signer deux boulangers. Voilà. Si on arrivait à fournir assez de pain, on pourrait fournir. On pourrait arriver à les livrer de toute façon. Le problème c'est qu'on n'en crée pas assez. Même là, les sangliers, du coup, j'ai trois cabanes de chasse et ça produit pas assez. Mes militaires, pourquoi ils sont repartis? Ils ont fini déjà? Je les ai pas envoyés, non? J'ai oublié de faire un truc. Envoyer. Voilà. Je pense que j'ai oublié de les envoyer tout à l'heure. Oh là là. Je perds de l'argent. Un peu moins déjà. Par contre, je vends rien des fois, c'est chiant. Oh là, le bonheur là, laisse tomber. Ils vont tous crever de faim. Ils vont tous crever de faim. Mais attendez, j'ai combien de sans-emploi là? Métier. J'en ai plein. Pourquoi j'arrive pas à produire du... C'est dingue ça. Ça monte pas, le lait. Ça ne monte pas. Ils arrivent pas à produire du lait quoi. C'est dingue quand même ça. Comment ça se fait qu'ils arrivent pas à produire du lait? Tout à l'heure là j'en avais 3 et 2 et ça produisait que j'avais beaucoup trop de lait avant. Je comprends pas, là j'ai 6 fermes laitières. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'il y ait des vaches, je pense pas que c'est ça le problème. Si. Oula. C'est pas ça le problème, ça c'est juste cosmétique, on est d'accord. Je crois. Hein. Oh, Domingo. Je crois que je vais aller voir un peu des tutos sur internet parce que... Ah, tiens, le pain, ça monte. Étonnamment. Étonnamment. Bon. Bon, bon, bon. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Oh, le pain, la boum. Qu'est-ce qu'ils me veulent, les émissaires là? Oh, mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Voilà, ils sont en train de crever de faim, tous. Mais genre, tous, quoi. 128, c'est la moitié quoi. Même si je prends lui, là, le boulanger, il est là, il manque de nourriture. On va se faire des cabanes de récolte. Hein. Et on va vendre des baies aussi. Alors attendez. J'avais pas des baies là qui traînaient quelque part. Cabane de récolte. Je ne sais pas. On va en faire une par là. On va essayer de pas empiéter là-dessus. Cabane de récolte. Hop.
commencer la construction. Je vais me faire un grenier par là. Je pense qu'en fait j'aurais pas dû centraliser tout ça comme j'ai fait. Je pense que j'ai trop centralisé les choses et du coup les transporteurs ils galèrent. À mon avis. Je suis pas sûr mais à mon avis c'est ça. Bon, de toute façon je produis pas assez de choses non plus. Si j'arrivais à produire des choses, je pourrais répartir plus facilement. Je pense aussi. T'as le bois. Bon, et là, est-ce qu'ils arrivent à produire du verre un peu? Non, toujours pas, ils galèrent. C'est dingue ça. Vas-y. Mais pourquoi eux, ils arrivent pas à produire du verre? Faut m'expliquer ça. C'est quand même dingue. Et là, il met pas de bois, je comprends pourquoi. Pourquoi le bois, il l'emmène nous, là, lui, là. Ceux qui coupent du bois, là, il l'emmène nous, le bois. Cabane de récolte. Allez. 1, 2, 3. Très bien. Par contre, il va me falloir un grenier, du coup. Un grenier pas loin. Un grenier, c'est où le grenier? Grenier. Un grenier par là. Boum. Ah, attendez, j'en avais un là de grenier. On va mettre des baies là. On peut pas annuler? Annuler. Supprimer. Ok. Le bois, j'en ai 1000. Est-ce qu'il y en a qui achètent du bois? Non. Fantastique. Les tonneaux, je pourrais fabriquer des tonneaux. Ça me rapporterait de l'or. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'or? Non. Non, j'ai pas besoin d'or. J'ai besoin de bouffe, putain. Oui, mais si je gagne beaucoup d'or, je pourrais acheter de la bouffe. Eh oui. Pourquoi pas. Tonnelier, qu'est-ce qu'il me faut? Des planches, du fer, des outils. Laisse tomber. Faut trop de choses. Faut trop de choses pour faire un tonnelier. Bah faut que je reproduise des outils, sinon les outils, ils achètent aussi les outils, non? Pour 10. Un peu de la merde, non? Parce que là, tous ceux que j'ai enlevés, du coup, ils sont partis bosser ailleurs. Bah oui, maintenant j'ai plus assez pour... Promotion disponible. Bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Soldat, allez vas-y. Promouvoir en serre. Ah non mais j'aurais plus de place après dans les églises. Je suis déjà limite. Citoyen nécessite luxe. Mais ils ont plus besoin du coup de... De mouffe d'avant, comment ça se passe? Chevalier, allez, vas-y. Je peux pas, pourquoi? Pourquoi je peux pas? Il est heureux pourtant, j'ai pas compris là, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Payer pour promouvoir tout le monde. Non. Est-ce que je paye 600 pour qu'ils deviennent tous des serfs? Ah non, c'est des nouveaux besoins, donc ouais, d'accord. C'est ça. Hein. Ils ont des besoins supplémentaires. Donc ça vaut pas le coup. Oula, votre armée se développe fortement. Nous vous proposons quelques missions bien plus difficiles à partir de maintenant. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'arrive pas à produire de la bouffe, putain! Je ne comprends pas. Je ne sais que faire.
Oh là, ça a vachement descendu. Ça a vachement descendu. Ok. Ça, c'est un tailleur, les tisserands. Tisserands, j'en ai un là, j'en avais une autre cabane là, de tisserands. Bah, vu que je monte vachement, je peux peut-être enlever un tailleur là. Hop. On le remettra plus tard. Ouais, ça c'est normal. Boulangerie. Voilà. J'ai oublié. J'ai un entrepôt de ressources où il n'y a personne. Bon, il n'y a qu'un gars. J'ai trois nouvelles personnes. Les fondeurs, non, pour le moment. On va mettre deux là. Les mineurs fromagers. J'avais oublié, tiens. Forgeron, ferme de houblon. Non, ça suffit. Transporteur. Voilà. Ah, j'ai plus de. Ça plutôt. Hop, ok. C'est la grosse merde. Bon là, je devrais produire plus de pain et plus de fromage. En même temps, j'ai toujours pas assez de lait. Je comprends pas ce qu'ils foutent de leur lait. Le lait, 52, c'est tout, c'est pas beaucoup. Hein. Peut-être faire un autre grenier par là pour stocker lait et fromage. Oui, mais j'ai des greniers là-bas. Bon, faut que j'aille voir sur internet si. Si vraiment. Oh là là. Le soldat a été victorieux. Oui, merci. Faut que j'aille voir sur internet qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Parce que là, je comprends pas. Je comprends plus. J'arrive pas à produire de la bouffe, pourtant j'augmente toutes mes productions, quoi. Ah, ça y est, le pain, ça monte. Les poissons, ça a dû monter, non? Putain, 12, je comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez le nombre de cabanes de pêcheurs que j'ai. C'est un truc de malade. Heureusement qu'il y a ça qui me rapporte de la thune. Ça m'a rapporté un peu des outils, des trucs. Ok. Oh, des bijoux. Oh, des bijoux. En vrai, les bijoux, j'en ai pas besoin, je pourrais les vendre. J'en ai 24. Les lances aussi. Je crois que. Il y en a qui achètent les bijoux pour 150. Mais j'ai pas besoin de sous. Encore une fois. J'ai besoin de bouffe. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de tout produire. Peut-être qu'il faut essayer de se focaliser sur quelque chose et vendre le reste. Je ne sais pas. Le pain, ça monte là, c'est bien. Ça y est. Enfin. Là, les stocks sont à peu près stables. De blé et de farine. Et le pain, ça monte vachement. En fait, c'est qu'il me manquait un boulanger. Bon, on va refaire une ferme laitière encore. Hein. Quoi faire d'autre? On va se refaire une ferme laitière hein, pour produire plus de lait. Parce que pour moi, la bouffe qui marche le mieux, c'est le lait et. Ah, attendez. J'avais pas construit un truc là?
Ah non, je l'avais mis là-bas. Je l'avais envoyé là-bas. Ok. On va faire une autre cabane de récolte ici. Voilà. J'ai des nouveaux arrivants quand même, donc c'est bien. Bah, ça en fait que deux. Donc, je vais faire une autre ferme laitière, je pense. Peut-être proche du grenier qui récolte le lait, ici. On va essayer. C'est peut-être ça qui gêne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un tailleur, non, c'est bon, le tailleur ça suffit. Un bâtisseur tout seul, lui là, c'est celui qui construit les statues, donc on n'a pas besoin. Transporteur, je peux pas mettre trois transporteurs de partout, c'est pas possible. Fondeur, non, on a dit. Ferme de houblon, c'est bon. Forgeron non plus. Mineur, on s'en fout. Hop, tac, 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 tac. Voilà, le pain ça redescend. Voilà, mais 0, 0, 0, ils arrivent pas à vendre leur truc là. Je pense qu'ils sont trop loin de tout. Je ne sais pas. Ça monte, hein, le pain. C'est marrant, il y a des pics à des moments. Bon, ça n'a pas été construit encore. Je sais pas quoi faire en fait. Je suis perdu là. Je suis perdu. J'ai 500 emplois. Cabane de récolte, allez. 1, 2, 3. Ça fera des baies en plus. Oui, et je vois que ça fait 42 minutes que je tourne. Donc, on va s'arrêter là. C'est important, hein, je veux dire. Là, je regagne de l'argent de nouveau. DJ, qu'est-ce qui me fait que j'ai gagné beaucoup d'argent? Consommation des villageois. Les villageois consomment bien. Ah, c'est remonté, tiens. Et oui, le pain monte de nouveau. Je sais même pas pourquoi je m'en bête, je dirais, avec le fromage. Parce que j'ai l'impression qu'ils en mangent pas. Le poisson, à un moment, j'étais très bas. J'ai construit plein de cabanes de pêche. C'est remonté à bloc. Et maintenant, c'est hyper bas. Faire une cabane de pêcheurs juste par juste pour voir si ça voudrait augmenter encore un peu. Nouvelle mission militaire. Ah oui, on peut envoyer une nouvelle mission. Ah, lui il est blessé, on va attendre alors. S'il est blessé, on va attendre. J'ai un chevalier. D'ailleurs, peut-être que je pourrais affecter de nouveaux soldats ici. Comment on vient là ici? Voilà, un de plus. Parce que je vais avoir des nouvelles missions un peu plus dures maintenant. Je pense. Allez. Hop. Oui, donc on a dit qu'on s'arrêtait. Tac tac tac. Ouais, donc on va s'arrêter là. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!